Le premier ministre des Transitions, Paimé Padagalber, a présidé ce mardi une réunion portant sur le phénomène d'inondation dans la ville de N'Djamena. Il est question de chercher avec les différents acteurs des solutions idoines au phénomène. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Lascaris, a été reçu par le président du Conseil national de transition, Dr. Haroun Kabadi. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux hommes d'aborder des sujets liés à la coopération bilatérale. Et puis en vue de faire face aux chenilles légionnaires d'automne, les 6 insectes ravageurs qui attaquent de nombreux végétaux, le ministère du Développement agricole et la FAO ont signé cet après-midi un accord de partenariat. Détail à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous regardez Télé-Tchad. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre de Transition, Paimé Padagalber, a présidé ce mardi une réunion portant sur le phénomène d'inondation dans la ville de N'Djamena. Il est question de chercher avec les différents acteurs des solutions idoines au phénomène. Hamid Koumi nous fait le point. Visiblement, le phénomène d'inondation dans la ville de N'Djamena semble avoir la peau dure. Malgré les dernières rencontres tenues autour du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et du premier ministre de transition, Paimé Padagalber, le mal persiste. Au grand mot, il faut donc de grands remèdes. C'est pourquoi le chef du gouvernement de transition, Paimé Padagalber, rencontre à nouveau les différents acteurs à l'effet d'étudier ensemble des voies et moyens afin de trouver des solutions adéquates au phénomène d'inondation. Cette réunion porte sur les inondations et leurs conséquences. En effet, chacun sait que Dieu a fait grâce au Tchad cette année par une bonne pluviométrie, reparti dans le temps et dans l'espace. Mais l'abondance des pluies a aussi ses conséquences qu'il faut gérer, notamment les inondations qui peuvent affecter le cadre de vie et les champs, entre autres. Il s'agira donc, à l'occasion de cette réunion, de faire le point sur le niveau de la pluviométrie reçue et attendue en comparaison avec les pics des années passées. Les relevés des niveaux d'eau, selon le même procédé de comparaison intersaison, les projections des risques d'inondation, les mesures prises et à envisager pour les endiguer, les dispositions à prendre pour secourir les populations affectées éventuellement par ces inondations, etc. Conscient de la situation difficile que traverse la population victime d'inondations, le Premier ministre de Transition, Paimé Padagalber, a exhorté les acteurs à différents niveaux, notamment les membres du gouvernement, les responsables de la commune de N'Djamena, les partenaires à s'investir encore davantage afin de soulager un tant soit peu la souffrance des citoyens. Au Palais de la démocratie, je le disais en titre, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis au Tchad, Alexander Lascaris, a été reçu par le président du Conseil national de transition, Dr. Haroun Kabadi. C'est une visite de courtoisie qui a permis aux deux hommes d'aborder des sujets liés à la coopération bilatérale entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique. On fait le point avec Mbaye Ngardigna. Après avoir présenté ses lettres de créance au président du Conseil militaire de transition, le 19 août 2022, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, Alexander Lascaris, multiplie les rencontres avec les acteurs politiques. Il est reçu ce 13 septembre 2022 par le président du Conseil national de transition, Dr. Haroun Kabadi. Le président du CNT et le diplomate américain ont échangé autour du processus de transition et du dialogue national inclusif et souverain en cours. Alexander Lascaris encourage tous les participants au dialogue avant de réaffirmer le soutien des États-Unis d'Amérique à cette période de transition. Favoriser les gens qui ont pris la décision de poursuivre leur agenda politique par la route non armée, mais aussi, c'est la réalité, je vais aussi parler avec le groupe armé, mais pour le moment, pour commencer mon mandat, je voudrais favoriser les gens, les partis qui ont pris la décision de poursuivre la politique non armée. Le président du Conseil national de transition, Dr. Haroun Kabadi, de son côté,
déclare que le Tchad a besoin des soutiens d'un grand pays comme les États-Unis d'Amérique pour sortir de cette transition. Pour lui, au vu de l'expérience internationale du nouvel ambassadeur, il peut bien aider le pays à passer ce cap. Pour rappel, Alexandre Lascari a été ambassadeur de son pays au Libéria, au Botswana, en Angola, au Burundi et en Guinée. Le ministère de l'élevage et des productions animales a organisé ce matin une journée scientifique dont le thème est « Contribution et rôle du Tchad dans l'élimination de la rage canine en Afrique ». Une cérémonie présidée par le ministre Abderrahim Awad Adeib. Précision, Gangacham Irima. La rage canine, bien qu'évitable, tue chaque année plus de 25 000 personnes en Afrique. Au Tchad, près de 300 à 600 personnes sont victimes des attaques des chiens errants, ce qui constitue une question de santé publique pour le gouvernement. Pour inverser la donne, le ministère de l'élevage et des productions animales invite non seulement son personnel, mais aussi les partenaires à une journée scientifique. La présentation des recherches effectuées par le professeur Jacob Zitak relate la contribution et le rôle du Tchad dans l'élimination de la rage canine en Afrique. Elle vise à relever les obstacles au programme de lutte contre la rage canine, mais aussi étudier les mécanismes pouvant faciliter la campagne de vaccination. Pour le ministre de l'élevage et de production animale, les résultats de ces recherches sont satisfaisants. Les résultats de ces travaux de recherche vont contribuer sans nul doute à l'aboutissement de la politique sanitaire engagée par le gouvernement de la République du Tchad, laquelle a inscrit la rage canine parmi les maladies animales à surveiller et ce, en cohérence avec le document de politique nationale de santé 2020-2030. Contribuer à l'éradication de la rage à l'horizon 2030 exige une forte collaboration entre les agents de la santé publique, les agents de l'élevage et les propriétaires des animaux de compagnie et les autorités locales. Cela nécessite une coordination efficace, mettant à profit les opportunités disponibles grâce à l'appui des partenaires. Et puis, en vue de faire face au génie légionnaire d'automne, ces insectes ravageurs qui attaquent de nombreux végétaux et qui causent d'énormes dégâts aux producteurs, le ministère du Développement agricole et la FAO ont signé cet après-midi un accord de partenariat. C'est le ministre du Développement agricole Omar Ibn Daoud et le représentant de la FAO au Tchad, Serge Tissot, qui ont paraphé le document. Ngayam Benguéli. Au Tchad, le maïs, autrefois considéré comme une culture de maison, et consommé à l'état frais l'est aujourd'hui, sous plusieurs formes et transformé en farine permettant d'alimenter la population. Cependant, l'on constate ces dernières années que cette espèce de culture fait face à un ennemi qui nuit à sa production. Conscient de ce mal, le gouvernement, à travers le ministère du Développement agricole, avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a diligenté une mission de prospection dans les zones de production de cette culture, ce qui a permis de détecter la chenille légionnaire d'automne dans 12 provinces sur les 23 qui comptent le pays. Le mal étant là, il faut donc agir en synergie pour inverser la tendance. C'est ainsi que le ministère du Développement agricole et la FAO ont signé cet accord en vue de renforcer dans les prochains jours les capacités des techniciens de ce département ministériel et des producteurs en général, afin de prendre des dispositions nécessaires pour lutter contre cet ennemi de la culture, et ce, par l'approche champ-école des producteurs. Originaire d'Amérique, la chenille, bien qu'elle soit présente principalement sur le maïs, elle attaque également plus de 100 espèces des autres plantes. Les membres du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers affectés à la province du Chari-Baguirmi ont été installés hier à Massénia par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, en présence de son collègue du pétrole et de l'énergie, Ndirassem Lobemadjel, du directeur général de la Banque des États de l'Afrique centrale, Idriss Ebene, ou encore du gouverneur de la province du Chari-Baguirmi, Amat Abdallah Fadoul. On fait le point avec Fernand Boussoukigé. Accueilli à leur descente d'avion par le gouverneur de la province du Chari-Baguirmi, Ahmad Abdallah Fadoul, en présence du sultan de Massénia, Ban Hadji Ouli, Mahamad Youssouf. Les ministres Tahir Hamid Nguilin, des Finances et du Budget, et Ndirassem Lobemadjel, du Pétrole et de l'Énergie, ont passé en revue la troupe. Après cette phase, le cortège ministériel s'est ébranlé vers la résidence du gouverneur.
Après les civilités protocolaires, les deux personnalités se sont rendues à la place retenue pour la circonstance et installé les membres du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers affectés à la province productrice, le Chariba-Guirmé. Dans son allocution, le président du comité d'organisation cadre Salekana a fait la genèse de la province du Chariba-Guirmé. Ahmad Abdallah Fadoul, gouverneur de la province de Chariba-Guirmé, a quant à lui salué la maturité d'esprit qui a prévalu à l'aboutissement de la mise en place de ce comité de gestion de 5% des revenus. Les revenus pétroliers affectés à notre province puissent contribuer véritablement à l'amélioration des conditions de vie de la population de Chariba-Guirmé. Le président du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers affectés à la province de Chariba-Guirmé, Bang Adi Ouli Mahamad Youssouf, par ailleurs, sultan de Massénia, dans son allocution de circonstances. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour mériter votre confiance et aussi et surtout celle des plus hautes autorités de la République. Le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers affectés à la province de Chariba-Guirmé est composé de 10 personnes. Bang Adi Ouli Mahamad Youssouf, sultan de Massénia, en est le président. Je vous invite à suivre l'intervention du ministre des Finances et du Budget, Tahir Ahmed Tengeli, dans des propos recueillis par Fernand Boussoukigé lors de cette cérémonie. La gestion des revenus pétroliers affectés aux provinces productrices et particulièrement à la province du Chariba-Guirmé a fait l'objet de beaucoup d'interrogations et de questionnements. Il avait promis apporter une solution. Dans cette lancée, le général Mamad Idriss Déby Itno a mis un point d'honneur à ce que le comité et la gestion des revenus pétroliers soient intégralement affectés à la population, gérés par la population, pour la population. C'est pourquoi essentiellement et pratiquement, quasi totalement, les comités ont été constitués à la base, mais aussi de manière inclusive pour que ce soit aux quatre coins du Chariba-Guirmé. Que les membres viennent de différents départements, ce qui a été fait. Que les membres viennent de différentes corporations, les jeunes, les religieux, les chefferies traditionnelles, les élus communaux, les organisations paysannes, tous les membres sont là. Et le Chariba-Guirmé, comme les deux autres provinces, sont des provinces hospitalières qui accueillent des Tchadiens de partout. Donc, tout ce qui se fait ici, c'est au profit de tous les Tchadiens. Donc nous allons aussi regarder, les autres Tchadiens vont regarder comment vous allez gérer ces ressources. Ce matin au département de l'éducation nationale et de la promotion civique, le ministre Mogna Djimonta a échangé avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Le projet de développement des centres de lecture et d'animation culturelle au Tchad était au menu de leur discussion. Aimé Béaloma. Cette audience entre le ministre de l'éducation et de la promotion civique, Mogna Djimonta, est le responsable des programmes de lecture publique de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Eric Weber, a duré une demi-heure. Les échanges ont tourné autour d'un projet d'extension d'une dizaine de centres de lecture et d'animation culturelle au Tchad. C'est un projet d'envergure et il était important que nous autres qui travaillons dans le domaine de la culture, nous puissions informer le ministre en charge de l'éducation de cet important projet culturel qui a un impact certain sur le taux de réussite scolaire, sur le secteur de l'éducation. Examiner les synergies, les coopérations qui pouvaient exister entre le secteur culturel, le secteur éducatif, en termes de mise à disposition d'outils, d'ouvrages pour les enseignants, mais aussi pour les scolaires. Le ministre de l'Éducation et de la Promotion civique a assuré à la délégation de l'OIF son soutien pour ce projet de développement. Il se tient également depuis ce matin dans un hôtel de la place un atelier de partage de l'étude diagnostique sur la pertinence du curricula existant et leur adéquation avec les besoins du Tchad. C'est une initiative du bureau de l'UNESCO au Tchad en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Les travaux ont été ouverts par le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Baïgoulmem Sébastien. Le point avec la Chakbé Papamé Désiré.
Au cours de ces assises, où sont conviés une centaine de techniciens de l'éducation nationale, il est question de restituer officiellement le résultat d'une étude de diagnostic sur la pertinence des curricula tchadiens et la vérification de son degré en conformité avec les attentes socio-économiques et politiques du pays. Mené courant février août 2022 dans les provinces de N'Djamena, du Wadaï et du Moyen Chari, cette étude a permis de connaître à travers les outils de recherche appropriés la situation actuelle du curricula et d'identifier les ajustements opérés. Pour le directeur général du Centre national des curricula, Aboubakar Ali Koré, la validation de ces documents marque un pas important pour l'amélioration du système éducatif tchadien. Selon le secrétaire d'État à l'éducation nationale, la refondation de l'école tchadienne est l'une des priorités de son département. Ces recommandations constructives provenant de cette étude de diagnostic curriculaire tendant à redorer le blason de l'école tchadienne en cette période de refondation de notre pays entrepris par le gouvernement de la transition venu à point nommé. Le rapport sera transmis fidèlement à qui de droit et mon département ne ménagera aucun effort pour faire de plaidoyer en faveur de son appui et sa mise en œuvre. Les travaux de ces assises qui prennent fin le jeudi prochain sont rendus possibles grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en partenariat avec le programme d'appui à la gouvernance au Tchad organise à Bakara une session de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la décentralisation placée sous le thème contrôle de l'égalité. C'est un projet financé par l'Union européenne. Togia Nouba Garcetti Aimé. Cette formation regroupe les acteurs de la décentralisation issus des différentes provinces du pays. L'objectif visé, renforcer leurs capacités et de les outiller sur des connaissances des collectivités autonomes indispensables à l'exercice de leurs fonctions. La décentralisation est de nos jours considérée comme un facteur essentiel de l'enracinement de la démocratie à la base du développement économique et social. C'est pour cette raison qu'elle est au centre de débat sur la forme de l'État qui se déroule en ce moment dans le cadre du dialogue national inclusif. Si le principe de la décentralisation veut que les collectivités territoriales décentralisées bénéficient d'une autonomie administrative et financière, cette autonomie doit en revanche s'exercer dans le cadre des lois et règlements du pays. Tout en saluant les efforts consentis par des partenaires pour la mise en œuvre de ce projet, Mahamat Adam Idriss demande aux participants d'être attentifs et les exhorte par ailleurs au respect strict des textes régissant le fonctionnement de leur collectivité décentralisée. Le Centre d'études de développement pour la prévention de l'extrémisme violent organise depuis ce matin une table ronde sur la violence en milieu scolaire. Les acteurs éducatifs conviés passent au scanner les causes de ce phénomène qui propose des solutions pour débarrasser l'école tchadienne de ce mal qui la gangrène. Ali Mamad Bello. D'un côté les panélistes, 8, et en face les élèves et responsables des établissements scolaires. Et le sujet à l'ordre du jour est la violence en milieu scolaire. Une table ronde organisée par le Centre d'études de développement pour la prévention de l'extrémisme violent. La violence dans le milieu scolaire nous interpelle et c'est pourquoi nous avons organisé cette importante table ronde pour permettre aux panélistes d'échanger et de nous proposer des solutions. Le temps est donné. Et tous les panélistes se succèdent pour décortiquer les causes de la violence en milieu scolaire. Ce sont des effets pervers des conflits que le Tchad a connus, qui ont déchiré la société, qui ont dénaturé les comportements, des conflits qui ont pérennisé l'instabilité pratiquement au niveau politique comme au niveau institutionnel. Le deuxième type de violence, c'est la violence entre les élèves eux-mêmes. Et ça, c'est aussi le cas le plus récurrent. Les causes sont généralement la question de la place, la question de vol des objets, des cahiers, des livres, mais aussi ce sont des problèmes amenés de la communauté à l'école. Voilà, tout est passé au scanner et place maintenant à la proposition des pistes de solutions. Il y a une chaîne, comme je l'ai dit,
chacun doit jouer son rôle. L'État, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, les parents pour l'éducation à la base, les enseignants pour être de bons enseignants et de bons encadreurs à l'école, et bref, la communauté éducative. Commence par la suite, la phase des questions-réponses. La parole est ainsi donnée aux participants pour donner aussi leur regard sur ces phénomènes qui asphyxient le système éducatif tchadien. L'objectif est de faire de l'école tchadienne un véritable pôle d'excellence débarrassé de toute violence. Parlons à présent des travaux du dialogue national inclusif et souverain qui se déroule au palais du 15 janvier. Là-bas, l'on constate la présence des forces de défense et de sécurité, cette présence des hommes entraînés et de veiller au grain sur la sécurité des participants pour le bon déroulement des travaux. Varelat. Assurer la sécurité du peuple et de ses biens, c'est la mission assignée aux forces de défense et de sécurité. Conformément à cette mission, l'armée nationale tchadienne, la police, la garde nationale et nomade et la gendarmerie nationale s'activent au palais du 15 janvier où se déroulent depuis le 20 août dernier les travaux du dialogue national inclusif et souverain, agents de sécurité et forces de l'ordre veillent au gré à la sécurité des participants et au bon déroulement de l'événement. Chaque fois qu'on vient, ils nous entourent et ils nous orientent et ils se sont montrés coopératifs. Donc à mon niveau, je trouve que c'est un travail vraiment bien. Et si c'est comme ça qu'ils jouaient toujours leur rôle de sécurité et de défense, on n'aurait pas de problème. L'armée nationale tchadienne, qui n'a pas de couleur ni de clan, préserve la sécurité de la population d'une manière générale, mais aussi de toutes les corporations conviées à prendre part aux travaux de ce grand rendez-vous de l'histoire. Cette présence des forces de défense et de sécurité, d'abord pour la sécurité du Denis, des personnes qui participent au Denis, et pour donner l'aspect d'un Tchad qui est vraiment sécurisé, n'est pas mauvaise. L'implication des forces de défense et de sécurité dans l'organisation de cette grande rencontre nationale est ainsi forte, ce qui permettrait de préserver la paix, la concorde nationale, la quiétude et le vivre ensemble. De plus, ce monument, implanté dans la cour du palais du 15 janvier, traduit l'engagement des Tchadiens qui aspirent à la paix. Et comme vous l'avez constaté, les chefs traditionnels prennent également part au dialogue national inclusif et souverain. Parmi ces chefs traditionnels figure un doyen. Il s'agit du chef de canton de Dababa dans la province de Hadjar Lamis avec ses 94 ans, dont 55 de règne sur le canton de Dababa. Abakar Hassan, c'est son nom, est aussi considéré comme une bibliothèque de la chefferie traditionnelle. Innocent Clayo. Malgré ses 94 ans, le chef de canton de Dababa, dans la province de Hadjar Lamis, aborde chaque matin avec dévouement et courage les escaliers du palais du 15 janvier où se déroule le dialogue national inclusif et souverain. Du haut de ses 55 années de règne et de ses 94 ans, le chef de canton Abakar Hassan est considéré comme l'un des plus anciens chefs traditionnels présents au dialogue national inclusif et souverain. Nous, chef de canton, nous sommes là pour le dialogue. On s'y tient le dialogue. Pourquoi? Parce que nous sommes les sages de la chefferie traditionnelle du Tchad. Dans ce grand rendez-vous de l'histoire, le chef de canton de Dababa, Abakar Hassan, est considéré aussi comme un monument de la chefferie traditionnelle. Le canton est calme. Il n'y a pas assez de problèmes. Il n'y en a pas d'abord. J'ai dit, il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que je critique mes frères, mais moi j'ai dit, dans mon canton, il n'y en a pas. De 55 ans là, je l'ai fait tête haute. Intronisé à l'âge de 21 ans, le chef de canton de Dababa affirme qu'il détient cette longévité grâce à Dieu. Le secret que j'en ai, je suis sensible avec mes administrés. Quand il y a un problème qui se juridit dans le canton, j'interviens rapidement, étouffé. Ce que c'est pas de mon canton. Plusieurs fois nominé par les plus hautes autorités de la République, la bibliothèque de la chefferie traditionnelle invite les Tchadiens à la culture de la paix et de la tolérance pour cimenter l'unité nationale. Un bel exemple qui fera certainement école. Des présumés voleurs appréhendés par les forces de défense et de sécurité de la ville d'Abéché ont été présentés ce matin à la presse locale en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Habib Ahmad Adam.
Des présumés voleurs tombés dans le maille des filets de la police nationale ont été présentés à la presse locale par le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Ibn Omar Mohamed Saleh. Ces présumés voleurs sont arrêtés pour diverses infractions, notamment le vol de motos, des ports d'uniformes, des ports d'armes et bien d'autres. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Ibn Omar Mohamed Saleh, a tenu à remercier les forces de défense et de sécurité pour avoir mis la main sur ces présumés malfrats. Tous ceux qui essayent de saper l'autorité de l'État, les vivre ensemble dans cette province et plus particulièrement dans la ville d'Abéché, seront punis par la loi. Là, une enquête a été ouverte. Le procureur de la République va prendre ses responsabilités et ces différents bandits, ces malfrats seront frappés par le bâton de la loi. Le commissaire central de la ville d'Abéché a remercié la population pour la franche collaboration avec la force de sécurité. Lors de la province du Logono oriental, Abdelkerim Seydo Poche a effectué une descente à Dona et à Bibija pour constater de visu les dégâts causés par les pluies diluviennes ces derniers jours. Allez, Aki. La ville de Donia est dans l'eau depuis quelques jours, car le pont qui relie Donia aux autres localités est submergé par l'eau, rendant impossible la traversée. Ainsi, les institutions étatiques et privées, à l'exemple du lycée Idriss Déby Itno, le centre islamique haïtien, la grande mosquée de Donia et le couvent des sœurs franciscaines sont inondés. Des habitations et des champs sont complètement engloutis par l'eau, laissant des centaines de personnes sans abri. Pour constater les dégâts causés par les pluies diluviennes du 9 au 10 septembre 2022, qui a transformé le chef-lieu de la sous-préfecture de Donia en un mini-lac que le gouverneur du Logone oriental, Abdelkerim Seyd Bosch, accompagné de quelques chefs de service déconcentrés de l'État, est descendu sur le terrain. Parlant de la situation qui prévaut sur le lieu, le premier magistrat de la province lance un appel à l'endroit de bonne volonté à secourir les populations sinistrées. Je profite également de votre micro pour lancer un SOS à l'endroit du ministère en charge de la solidarité et les partenaires qui nous aident, vraiment de secourir la population. La population est dans le désarroi total. À une soixantaine de kilomètres de Donia, une partie de la ville de Bébija se trouve dans la même situation. Ici, la particularité est que l'eau jaillit du sol et coule en direction de la ville, inondant champs et maisons des quartiers Bekwanoudi et Germessin. En attendant l'assistance aux sinistrés, quelques jeunes et organisations locales ont déjà canalisé les eaux vers les bassins de rétention. Voilà, autant pour moi, là, une descente du gouverneur Abdelkerim Seydou Bouch à Donia et à Bébija. En religion, les fidèles religieux de trois confessions de Bokoro, avec l'appui des autorités locales, ont prié pour la paix. Ils ont également lu le Saint-Coran, partagé des aumônes pour que le dialogue national inclusif et souverain soit une réussite. C'est le préfet de Dababa, Mohamed Ismaël Hassan Kari, qui a représenté le gouverneur de Hadjar Lamiss à cette rencontre de prière. Mohamed Omar Moussala. Les fidèles musulmans et chrétiens de Bokoro ont loué, prié et imploré Dieu pour le maintien de la paix chez Romains acquise et la réussite du dialogue national inclusif. Le responsable de l'église catholique Henri Isabé, le missionnaire de l'église fraternelle de Bokoro Daniel Wynn et le pasteur de l'église fraternelle cutérienne Abel Issé ont unanimement imploré Dieu pour le maintien de la paix, la sécurité, le vivre ensemble, l'unité nationale et pour le bon déroulement du dialogue national inclusif et souverain en cours. Selon le préfet de Dababa, Mohamed Ismaël Hassan Kari, la santé et la paix n'ont pas de prix. Nous prions le bon Dieu pour que le dialogue national inclusif termine dans de bonnes conditions. Le fidèle musulman de Bokoro ont également prié Allah, lu plusieurs fois le Coran et partagé des aumônes pour que le dialogue national soit un succès et la paix règne au pays. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, session de Bokoro, Cheikh Kassim Béchir Djoko, invite les fidèles à multiplier davantage la prière, la lecture du livre saint et le partage des aumônes pour que le peuple tchadien aspire définitivement la paix.
Voilà, merci Mamad Oumar Moursal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne suite des programmes sur Télé-Tchad. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain sur ce même plateau et avec le même plaisir. Bonsoir.